Salut collègues internautes de YouTube. Aujourd'hui, on va parler caisse à outils pour ton CC. Ça faisait déjà un petit moment que je voulais une caisse à outils. À l'époque, quand j'avais Momo, j'avais une petite boîte en plastique avec des outils en vrac. Bon, c'est bien, mais c'est pas non plus l'idéal pour s'y retrouver. Et bien souvent, quand tu as besoin d'outillage, ben, il te manque toujours quelque chose. Alors, il y a quelques temps de ça, j'étais au boulot et on avait besoin de démonter des accessoires. Et un gars m'a sorti une caisse à outils. Et il est venu donc avec celle-ci, comme j'ai moi maintenant, et je l'ai trouvé génial. Donc c'est pour ça que je me suis dit, s'il y a une caisse à outils que je vais acheter, ça va être celle-là, parce que je la trouve super complète. Elle est vraiment très très bien. Certes, elle n'est pas donnée, mais bon, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Si vraiment on veut du pas cher et de la qualité, ça me semble compliqué. Après, de là, aller prendre une caisse à outils Facom qui va coûter deux bras, bon, il y a un juste milieu. Donc je vais te montrer cette petite caisse à outils que moi j'ai trouvée pour mon CC et que je trouve vraiment idéale. C'est pour ça que je te la partage. Je ne suis pas sponsorisé par la marque, hein. Là je l'ai payé de ma poche. Mais je la trouve vraiment très très bien et très complète. Donc c'est pour ça que je voulais te faire cette petite vidéo. Alors voilà la bête, donc c'est une caisse à outils de la marque Stanley. Donc tu vois, on est sur une boîte tout en aluminium anodisé noir. Donc là, je vais te mettre en position et on va regarder ce qu'il y a dedans. Quand je dis en position, n'est pas l'esprit mal placé. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette petite caisse à outils Stanley? Petit détail, moi la mienne ici, normalement tu as des scratchs, tu vois comme là. Voilà, ici normalement tu as des scratchs, là et là. Mais moi, j'ai pris un modèle d'occasion qui m'a coûté beaucoup moins cher. Et voilà, il y avait les scratchs là qui étaient cassés. Après, tu achètes en connaissance de cause. Hein. Moi, perso, qui manquait des scratchs, je m'en foutais. Mais bon, ça m'a permis quand même de la toucher moins cher. Tu as une pince multiprise. Tu as une pince coupante. Ici, tu as une pince long bec qui fait aussi coupante. Une pince comme ça, hein, classique, tout le monde connaît. Là, ici, tu as une pince, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon, on peut même l'utiliser comme sécateur, ça. Hein, tu vois, c'est des fois pour couper une branche, un truc comme ça, ça peut être pas mal. Ici, tu as une clé à molette. Bref, si on passe sur l'étage du bas, tu as un niveau, un mètre. Tu as un jeu complet de clé Allen, ici. Donc ça, c'est cool. Et là, tu as toute une panoplie de tournevis. Là, ici, tu as le fameux tournevis avec l'embout. Donc pour tout ce qui est embout, torx, cruci, Allen, voilà, tu as tout ce qu'il faut. Après, donc si tu passes sur l'autre étage, donc là ici, on a la petite sangle pour tenir l'ensemble. Bon, moi j'ai rajouté quelques bricoles, hein. J'ai rajouté un petit homme pouce cruci, j'ai rajouté un petit rouleau de scotch, voilà, un crayon. Et ça, c'est ma douille pour faire les, donc ça a déjà été fait, mais pour faire mes bougies de préchauffage sur le camping-car. Donc en effet, quelqu'un me posait la question pour les bougies de préchauffage. Moi, j'ai tout fait avec cette caisse. Je me suis débrouillé avec ça, avec les deux rallonges, tu vois, comme quoi elle est vraiment complète. Hein. Donc tu as la grande rallonge, la petite rallonge. Tu as également le petit cardan, tu vois, qui lui m'a bien sauvé. Voilà, donc moi, avec ça, j'ai réussi à faire mes bougies de préchauffage. On ferme la parenthèse, on continue. Donc ici, tu as une scie à métaux, toujours pratique. Là, ici, tu as une lampe. Une lampe de poche, bon, il n'y a pas de pile dedans, hein. Mais tu as une petite lampe de poche, tu as un gros cutter, un marteau. Et au niveau des douilles, c'est vrai que c'est quand même super complet. Tu vois, là, on part, par exemple, tu as 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Il n'y a pas la 20, pardon. 19, 21, 22, 24. Enfin, tu as vraiment toutes les douilles essentielles. Forcément, tu as le gros cliquet. Tu as la grande rallonge, tu as dans la même gamme la petite rallonge, tu as également le gros cardan. Ici, tu as toutes les petites douilles, tu vois, donc 5, 5, 6, 7, 8, là à côté on a quoi, 9, 10, forcément, 11, 12, 13, 14. Là ici, tu as toutes les clés plates, donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tu as donc la petite boîte, attends, hop. Voilà, avec forcément tous les embouts nécessaires. Tu vois, tu as du plat, tu as du très gros plat.
Si jamais tu as un gros gros truc à démonter, là tu as du très gros cruciforme. Bon, bah, il y a du Allen, il y a du Torx percé au centre. Voilà, avec le petit embout qui va bien. Et donc tu peux mettre tout ça aussi, si tu le désires, au bout de ton tournevis que je t'ai montré tout à l'heure. Et là, tu vois, bon, tu as tous les tournevis. Tu as vraiment du tout petit plat. Et après, tu as du gros ici. Là, du gros, mais très long. Tu vois, des fois, on n'a pas forcément l'accès. Donc là, c'est un très long. Les crucis. Voilà, un tout petit plat encore ici. Tu as le mètre, hein, forcément, le mètre Stanley de 5 mètres. Voilà. J'ai pris quelques petites notes. Donc, je vais te donner un petit peu quelques détails sur cette caisse. Alors, moi, je l'ai prise vraiment parce que, je te dis, je suis tombé dessus par hasard. Hein. Le gars me l'a emmené au boulot pour démonter des accessoires. Oh, quand j'ai ouvert cette caisse, je dis, mais elle est géniale, quoi. Mais elle est forcément pas donnée au niveau tarif. Je t'annonce de suite le prix. Elle est à 211 euros. 211, alors, regarde un petit peu parce que en fonction de l'état, moi, elle n'était pas en super état. Tu vois, il manque pas mal de scratch, tout ça. Moi, je l'ai payé 170, la mienne, sur Amazon. J'ai réussi à trouver, tu sais, quand tu cliques sur le lien produit et que tu descends, on te propose des produits d'occasion. Alors, d'occasion, ça peut être juste l'emballage éclaté. Ils appellent ça d'occasion. Moi, c'était marqué... alors, quand c'est marqué état comme neuf, tu peux y aller sereinement. Moi, c'était marqué bon état. Voilà, bon état, mais bon, voilà, il manquait les scratchs. Moi, perso, je m'en fous. À l'intérieur, tu as 142 pièces. Donc, voilà, tu l'as vu. Hein. Moi, je m'en suis... Alors, ça fait 6 mois que je l'ai maintenant. Donc, elle n'est pas nickel, hein, comme tu as pu le voir. Elle est un peu cracra. Je l'ai constamment dans ma soute. Et je t'avouerai que je m'en sers énormément. Dès que j'ai un truc à faire, voilà, je la sors et j'ai tout sous la main. Je me casse pas la tête, quoi. Le poids, elle pèse 12,4 kg. Donc, c'est vrai que c'est pas léger. Mais bon, forcément, c'est des outils. Hein. Et on est quand même sur des outils de qualité. Bon, on n'est pas sur une qualité professionnelle comme Facom ou autre. Mais je trouve qu'on est quand même, voilà, en termes de qualité, on n'est pas non plus en bas du panier. On se situe, voilà, sur du milieu de gamme. Pour ce que nous, on a à faire, bricoler de temps en temps sur le camping-car. Tu vois, moi, je fais même de la mécanique avec. Hein. Quand j'ai fait ma vidange et tout, j'ai tout fait avec celle-là. Dès que j'ai quelque chose à faire, plutôt que de faire des allers-retours pour aller chercher un tournevis dans le garage, etc., voilà, ben j'ai ça en permanence. Même si je suis posé sur une aire ou autre et j'ai un problème, eh ben j'ai tout sous la main pour au moins essayer de me dépanner, quoi. Alors, chers amis, on va papoter un tout petit peu avant de terminer cette vidéo. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés de la chaîne et les anciens d'être toujours présents. Ça fait vraiment plaisir. C'est très gentil. J'ai énormément de commentaires et ça fait vraiment plaisir. Alors, j'ai aucun mal à tous les lire. Par contre, c'est vrai que répondre à tout le monde, bah, ça devient de plus en plus compliqué, mine de rien. Donc, ce qu'on va faire, je vous invite forcément à me laisser toujours des commentaires et je prendrai énormément de plaisir à les lire. Quand le commentaire est lu, je vous mettrai un petit cœur. Comme ça, vous saurez que j'ai lu votre commentaire. Et les commentaires qui nécessitent une réponse, on va faire ça sous forme de FAQ. Et on va dire qu'une fois par mois, à peu près, en fonction des commentaires qui méritent du développement, je ferai une petite vidéo FAQ sur laquelle je répondrai individuellement aux questions. Ce sera peut-être plus pratique que de faire des shorts, parce que les shorts, tout le monde ne les regarde pas non plus. Et voilà, faire une petite vidéo FAQ une fois par mois, un mois et demi. Et comme ça, eh ben, je répondrai dans cette vidéo à l'ensemble des questions que j'ai eues qui nécessitent, à mon sens, une réponse. J'espère que ça te convient comme ça, cher camarade. Je te laisse soin de me le dire en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de cette petite caisse à outils Stanley? Qu'est-ce que tu penses du mode de fonctionnement qui devient pour moi un petit peu compliqué, je te l'avoue, de répondre à tout le monde vraiment individuellement, même si ça me fait énormément plaisir, mais ça me prend énormément de temps. Chers collègues, sur ce, je t'invite à laisser un petit like si ce n'est pas encore fait, à t'abonner, à activer la petite cloche, comme ça tu seras au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Tchou! When the moon hits your eye, like a big pizza pie, that's amore.